et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Toute l'équipe vous souhaite une merveilleuse année 2023. Nous sommes le vendredi 27 janvier, voici le sommaire de votre édition. Les femmes scientifiques mises à l'honneur à Bouvilly-Bolièfle. Reprendre confiance en soi pour trouver un emploi grâce au théâtre, c'est possible. Une des meilleures friteries de France se trouve à Grenay. Un nouveau terrain de jeu pour le Cécifoot Lensois. Le trail d'avion décrypté par notre journaliste sportif Thomas Verbruge d'Elchambre. Notre coup de loupe vous parlera d'un nouveau service pour les femmes atteintes de cancer à Pont-Aventin. Mais tout de suite, le Picard ou le Ch'ti enseigné dans les écoles arnésiennes. Le temps qui fait est nuit. Et nuit, il fait agréable. Vous avez bien entendu, ces élèves parlent le Picard. Depuis la rentrée, cette langue de notre région peut être enseignée dès le primaire. L'inauguration officielle de ce cours dans le Pas-de-Calais s'est tenue vendredi 13 janvier à l'école Jean Jaurès de Arne, dans une classe de CM1. On fonctionne beaucoup par un apprentissage oral avec des images. Finalement, c'est assez facile pour eux de comprendre parce que le Picard est une langue romane qui a les mêmes racines que le français. Ici, deux autres classes de CM1 et CM2 étudient le Picard depuis 2 mois, 45 minutes par semaine. Pour transmettre ses savoirs, la professeure Charlotte doit suivre un diplôme universitaire. Elle est aussi accompagnée en classe par France, membre de l'Agence régionale de la langue picarde. Les langues régionales ont été bannies de l'école à une certaine époque. Et historiquement, l'appellation de la langue, c'est le Picard. L'appellation Ch'ti est assez récente, en fait, à l'échelle de l'histoire du Picard, puisque les premières traces écrites du Picard remontent au 9e siècle. Le Ch'ti est une variante de la langue picarde. Des cours identiques sont donnés aussi dans le Pas-de-Calais, à Berck et à Louagne, soit en tout à 150 élèves. Et à Arne, on espère déjà que l'expérimentation devienne une réussite. J'ai déjà proposé à l'institutrice qui va enseigner ce Picard. Alors vous allez devoir faire des cours du soir pour les parents qui vont adorer ça aussi. Ah, moi, j'en suis persuadé que ça va prendre de l'ampleur. Vous voyez, c'est pas une langue qui nous est inconnue. Pour les enfants, ça va leur paraître assez facile au départ. Et justement, comment s'en sortent les élèves ? Ike des pleuves. Del bien l'année. Dis me tintionnon. Mi c'est timéo. Des fois, c'est dur à prononcer, à écrire. Les mots, ils sont. Il y a des mots qui ressemblent au français, il y a des moments, les mots, ils changent complètement. Pour terminer, on vous laisse écouter la comptine. Si vous comprenez tout, vous êtes officiellement Picard. Dans ce cours de mathématiques au collège Saint-François de Bouvigny-Boyeffle, on travaille aussi l'histoire. Ce matin-là, les élèves de 3e abordent le chapitre des fonctions. Ils décryptent des codes pour découvrir des noms de femmes scientifiques. Mon objectif, c'est de montrer aux enfants que les mathématiques sont vivantes et belles et qu'elles sont faites pour tous et toutes. Et il s'avère qu'en général, les filles, elles ont un petit peu plus de mal à se projeter parce qu'elles n'ont pas de modèle. En fait, à part Marie Curie, on ne connaît pas vraiment de femmes de science. Mais les jeunes, après avoir visionné plusieurs films, ont appris qu'elles ont été très largement ignorées. Alors, grâce aux énigmes préparées par leurs professeurs, ils contribuent à honorer leur mémoire. On a toutes sortes de symboles. Avec ces symboles-là, on a des lettres. J'ai trouvé les 5 premières lettres, j'ai trouvé grâce, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut correspondre. On a trouvé Lise Meitner. Pour le code César. Après, on a trouvé avec l'avocat Amy Noether. Je trouve que c'est bien de mettre en valeur les femmes de science parce qu'on était plus en train de mettre en valeur les hommes. Mais alors, comment faire pour ne pas qu'elles restent encore dans l'oubli ? Ailleurs en France, une classe de 5e voulait faire inscrire le nom de Sophie Germain sur la tour Eiffel, dont elle a rendu possible la construction. Les collégiens de Bouvigny, eux, ont une bien plus grande ambition. Mes élèves ont dit, mais nous aussi on veut écrire. Bah oui, mais ça a déjà été fait. Oui, mais on veut aller plus loin. Nous, on veut 72 noms de femmes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Donc on a écrit à la Première Dame, au ministre de l'Éducation nationale, on a écrit au président de la République. Il dit qu'il garde en mémoire effectivement le fait de mettre à l'honneur ces femmes de science oubliées, parce que pour lui, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est ce que le ministère nous avait répondu aussi, c'est l'égalité filles-garçons dans les études, c'est quelque chose aussi qui leur tient à cœur.
L'apprentissage ludique a même amené les élèves de 3e à créer des polyèdres illuminés par des bougies ou encore à imaginer cette exposition. On a fait des comptes Instagram sur des femmes qui ont été mises dans l'ombre à l'époque. Et ensuite, on a fait un concours où tout le collège pouvait participer. Il fallait répondre à des questions sur ces femmes et les informations, elles étaient dans les profils Instagram qu'on avait fait. Bravo pour votre engagement, écrivez dans sa lettre Emmanuel Macron. Les élèves du collège Saint-François en attendent maintenant tout autant du président. Le travail à l'honneur à Grenay. Mardi 24 janvier, une convention a été signée entre la ville et Pôle emploi au sein de la médiathèque. Un partenariat renouvelé à l'occasion de la semaine des métiers du numérique tournée également vers l'art. Un dispositif où on utilise l'art et différents moyens culturels pour inciter les demandeurs d'emploi à retrouver confiance en eux et ensuite à travailler leur parcours pour aller à l'emploi. Parmi les ateliers proposés ce jour-là aux demandeurs d'emploi, tous pouvaient s'essayer au CV vidéo. Alexandre recherche un poste dans la communication. En gros, c'est plus moderne déjà qu'un CV classique. Ça permet d'attirer l'attention du recruteur plus facilement. Et aussi, ça permet aussi de se démarquer par rapport à notre personnalité, à notre recherche. En 2022, une expérimentation du même type avait bénéficié à 35 Grenésiens. Depuis, 40% d'entre eux ont retrouvé le chemin de l'emploi. Nous avons 10 entrées en formation, 10 contrats à durée déterminée, 6 contrats à durée indéterminée et 4 personnes qui ont repris une mission d'intérim. Donc aujourd'hui, sur les 35, seulement 4, mais c'est déjà 4 de trop, sont sans solution, mais dont une des personnes est en préparation à la retraite. D'autres ateliers ont permis de créer des badges ou encore plus innovant, de floquer son CV sur un t-shirt. Et vous pensez que ça peut être utile pour la recherche d'emploi ? Oui. Dans la rue, pourquoi pas ? Ou chez un employeur, si j'ai rendez-vous quelque part. Ou même en magasin, où il y a du monde, en public. Moi, je suis capable. 4 nouvelles sessions à la médiathèque sont prévues avec Pôle emploi. Les agents devraient suivre et aider 15 nouvelles personnes. Comme chaque début d'année, le classement des meilleures friteries de France est dévoilé et la friterie du Parc à Grenay est 3e, 2e du Pas-de-Calais et 1ère de l'agglomération. Allez, suivez-moi. Son gérant s'appelle Kim. Natif de Grenay, ce passionné de street food avait déjà tenu une baraque en 1996. Après un tour dans le sud, puis du côté de Liévin, il est revenu sur ses terres, il y a 9 ans. Cette place-là, elle était libre. Le monsieur avait arrêté et puis cette friterie-là, elle est connue parce que c'est la plus vieille friterie de Grenay. 1986. Puis bon, comme je suis connu tout ça, bon, ça va, j'ai réussi. Seul, il sert en moyenne 25 clients par jour, de nombreux habitués qui pourraient se tourner un jour vers les 6 autres friteries que compte Grenay. Mais avec une carte riche, variée, qui m'attire les habitants, mais doit en ce moment faire face à la hausse du prix des produits et de l'énergie. Voilà, le gaz ça a pris, l'huile ça a pris, les pommes de terre ça a pris. Ben comme j'ai augmenté en février, donc je ne peux plus me permettre d'augmenter. Les steaks, ils ont pris, j'ai augmenté les mayonnaises, les sauces, ils ont pris aussi, tout a flambé. Donc j'ai moins de marge pour l'instant. L'enseigne de Grenay pourrait donc profiter de sa 3e place au classement des meilleures friteries pour connaître une bonne année 2023. Et Kim garde bien son secret. Des frites fraîches, une bonne huile, et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les frites, il y a aussi le relationnel. Toi, si tu tapes une table d'enterrement, t'es pas humain, avec les gens, c'est pas la peine. Les gens, c'est pas que des clients, surtout ici. À Grenay, bon, les gens viennent parce qu'ils te font confiance. Oh, sa gentillesse et puis la qualité des prix. La qualité des prix et la nourriture. Ouais. Quand je viens à Grenay, je mange une frite ici. J'habite à 5-6 km d'ici, je suis allé voir. J'ai regardé un peu sur internet, tout le monde en dit du bien, donc je me suis dit, ça doit être bien. Si vous aussi vous souhaitez tester la friterie du Parc à Grenay, rendez-vous rue François Bocan du lundi au dimanche, tous les midis et les soirs, sauf le mardi. Les joueurs du RC Lens Cessi Foot ont pu découvrir samedi 7 janvier leur nouveau terrain aux abords du stade Carpentier. C'est là qu'ils poursuivront leurs entraînements dans un écrin tout neuf, après plusieurs années passées au centre technique de la Gaillette à Avion.
L'inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas s'entraîner chaque semaine avec les barrières, vu que les barrières n'étaient installées uniquement pour les compétitions, pour les matchs. Donc ça a été un petit frein pour la progression des joueurs. Donc le fait aujourd'hui de pouvoir s'entraîner sur un terrain vraiment dédié, avec des barrières, avec les vraies dimensions, ça va être forcément un plus pour nous. Les 10 licenciés évoluent sur un synthétique entouré de vitres avec deux buts de taille réglementaire et un panneau d'affichage du score. Cet équipement, conçu en à peine 6 mois, est sorti de terre il y a quelques semaines et mis à disposition par la ville de Lens. Elle l'attendait depuis 2018. C'est aussi une preuve d'ouverture envers tous les sports. Un terrain comme ça, donc ça a coûté approximativement, je n'ai pas le chiffre exact, dans les 500 à 600 000 euros, donc ce qui est quand même conséquent, où tout le monde a participé, donc la ville, le département, la région, la CAL, l'AGLO, donc toutes les institutions habituelles. Avec les équipes de Précision Oise et Schiltigheim, le RC Lens Cessy Foot est le troisième club de France à disposer de son propre terrain. Et ce matin-là, pour leur première ici, tous tentaient de trouver leur repère. C'est un changement parce que du coup, on aura nos barrières qui sont sur les côtés du terrain à chaque entraînement. C'est-à-dire que nos entraînements, on les vivra dans les mêmes conditions que les matchs chaque semaine. Et ça, c'est vraiment un grand plus pour nous. On fait des allers-retours dans la largeur, barrière à barrière pour voir la distance. On fait d'un but à l'autre. Et comme ça, on se mémorise le terrain dans la tête. Il faut la résonance aussi, c'est pas la même. Donc on fait déjà les premiers entraînements, ils vont servir à ça. La première phase de championnat a été compliquée pour la section Cessy Foot. La compétition devrait reprendre bientôt, fin janvier, avec une journée de championnat qui devrait se jouer sur le terrain homologué. Trois semaines après les fêtes, l'un des premiers trails de la région se tenait ce week-end à Avion. Organisé par le Triathlon Club Avionnais, il avait pour cadre le parc de la Glissoire. On a trois épreuves. Le samedi, la marche pour les petits marcheurs traditionnels. On a le 8 km et on a le 16 km. Et le 16 km, en fait, c'est deux boucles de 8 km avec un petit dénivelé de 400 plus qui correspond à 2-3 montées de terri un peu sympathiques. Une cinquantaine de marcheurs, 53 coureurs sur le 16, mais 86 sur le 8 km. Parmi eux, Mathieu et Julien s'attaquaient pour la première fois à ce parcours. Leur objectif, finir la course, sans pression. Et vous faites de la course habituellement ? Toutes les semaines, ouais, une petite course, ouais. 5, entre 5 et 10 selon les personnes. Moi, plutôt 5, lui plutôt 10. Départ dans 15 minutes. Vous vous échauffez avant ? Non. On a bu la goudale. Car une bière était remise à tous les trailers. Ils ont traversé les sentiers plus ou moins glissants, contourné les étangs, grimpé jusqu'au belvédère. Les premiers à franchir la ligne d'arrivée sur le 8 ont été surpris par leur performance. Super bien, super sensation, bon temps, idéal. Par endroit un peu gelé, pas mal de gadou. Donc technique je trouve, content d'avoir fait premier. Un petit peu difficile, la montée sur le terril, je l'ai fait en marchant. J'étais à mon rythme et puis comme je savais que j'étais première, j'ai géré plutôt mon allure et voilà. Mathieu et Julien ont mis eux un peu plus de temps à arriver mais ont été satisfaits de leur course. Le lendemain, le club d'Avion organisait un triathlon. Il a été remporté par Adrien Dransard. Pour les amoureux de course de l'agglo, rendez-vous le 17 mars pour le tout nouveau trail de Noyelles-sous-Lens et le 19 mars pour celui de Losangoël. J'ai retravaillé l'intérieur pour rentrer les petits cheveux. Dans le salon de coiffure d'Elodie, il n'y a pas que des clients. Depuis début janvier, elle propose à Pont-à-Vendin des prothèses capillaires à ceux qui en ont besoin. Vous voulez l'essayer ? Allez. Je fais gaffe de ne pas tirer les cheveux. Là, je recoupe directement, j'avais coupé sur une tête en polystyrène. Et là, je recoupe directement par rapport au visage de la cliente, la forme du crâne. Ça ne se place pas forcément exactement pareil. Donc, je vais revenir retravailler en fait certaines mèches pour qu'elle soit à l'aise et que ça lui ressemble, quoi. Lélia est touchée par une maladie, la pelade universelle. Elle a perdu des cheveux, des poils partout sur le corps. En pharmacie, elle a pu obtenir une seule perruque pour un an. Elle a décidé de la rafraîchir ici, sur les conseils d'Elodie. Ce que j'ai retrouvé de bien, c'est bien d'être, en tant que femme de venir en salon, déjà. Ça nous valorise un petit peu aussi, ça nous fait du bien, on va dire. Et des personnes qui prennent soin comme ça, même que c'est des perruques, c'est formidable, quoi. On n'est pas laissé, t'as une perruque, débrouille-toi, quoi.
La débrouille, c'est plutôt pour la coiffeuse. Dans son salon zéro déchet, Elodie donne déjà des cheveux à des associations et devrait pouvoir bientôt récupérer gratuitement d'anciennes perruques. D'ailleurs, synthétiques ou naturelles, comment sont-elles fabriquées ? On va avoir un tissage en fait à l'intérieur, plus ou moins confortable, en fonction de si c'est fait à la main ou si c'est fait par une machine. On a des élastiques scratch qu'on va pouvoir resserrer en fonction de la tête de la personne. Devant, on a un système de lace donc, qui se met au niveau de l'arrêt et de la bordure, qui va du coup s'adapter vraiment à la teinte de peau de la personne. Une prothèse qui a un coût de 350 à plus de 2000 euros pour une coupe longue. Certains modèles sont intégralement remboursés par la Sécurité sociale. À la fin du rendez-vous, Lélia a repéré 4 nouvelles chevelures. On a choisi une poivre et sel, l'asymétrique en 2 teintes, donc en platine et en blond légèrement beige. Vous êtes satisfaite ? Bien sûr. Ouais. Oui, et puis plusieurs choix. Et au deuxième rendez-vous, bah, on verra, prendra la perruque définitive. Décision dans une semaine au salon. Il ouvre ses portes aux hommes, aux femmes et aux enfants atteints par un cancer ou une alopécie. Elodie peut les accueillir le lundi et le mardi.